Alors moi c'est Mathieu, je suis le président du club d'apnée de Nîmes et on a plutôt l'habitude d'être à la piscine mais faire des sorties en mer et ça fait un an qu'on a commencé l'apnée sous glace mais en milieu artificiel et là c'est la première fois qu'on est en milieu naturel, voilà, sans support de douche chauffante à la sortie et tout ça. Grosse expédition, d'ailleurs on remercie la station d'Aussois de nous avoir prêté les supports d'une motoneige pour monter tout le matériel de sécurité, tout le matos pour mettre en place les tronçonneuses pour creuser les trous hier, on a fait ça en 2 jours. Et ouais, grosse expédition pour nous, c'est bien plus gros que lorsqu'on va en mer. Vraiment, justement, la sensation, la visibilité, la lumière traversante avec la glace. Quand on part en mer, nous, ce qu'on aime, c'est être plus profond, descendre le long des rochers, voir les poissons. Ici, il n'y a rien de tout ça. C'est juste la luminosité, la glace, l'effet du froid aussi. C'est des sensations qui sont complètement différentes. Et après, d'être dans un milieu comme ça, on a l'impression qu'on fait une sortie en Alaska. Mais non, on est dans notre beau massif des Alpes. C'est sympa.